Et salut à tous et à toutes les amis, c'est Freddy Do78, j'espère que vous êtes potes et que vous allez bien. On se retrouve donc pour du Farming Simulator 2015, et oui, on est bien, bien évidemment. Donc, c'est parti, nous allons continuer ce que je faisais. Donc je suis en train de... Parce que je continue de... Donc de... De la dernière partie faite. Je suis en train en fait de remodeler la terre pour qu'elle puisse se faire qu'on puisse ressemer tout simplement. Donc on va faire un peu de ça. Comme vous voyez, peut-être là-bas au loin, on a mon autre tracteur. Je sais pas si on va le voir. Vous voyez le tracteur là-bas. Nous avons également labouré le champ. Voilà. Une grande capacité, autant s'en servir. Nous allons donc, comme je vous ai dit, labourer un peu le champ aussi, et on va faire un truc tous ensemble. Nous allons essayer de chercher ces fameux cochons que je ne sais toujours pas où c'est. Je vous cache pas que dans le dernier, après le dernier épisode, j'ai cherché sans succès. Voyez un peu le résultat du travail. Voilà, ça c'est fait. Nous allons et pour plus de sécurité, nous allons faire ça. Là, nous allons reculer encore. Allez. C'est parti, nous continuons. Des morceaux, non, c'est pas grave, on y refera un petit tour après, hein. Enfin, je le ferai en vidéo bien évidemment, je vais pas vous emmerder avec ça. Alors, allez, donc vous doutez ce que je vais faire là.
Voilà. Donc là, j'aurai encore tout ça à faire, hein, mais vous verrez dans le prochain épisode que ce sera fait. Peut-être déjà labouré aussi. Bon. Attendez. Non, c'est bon. Alors là, c'est assez compliqué parce que, en fait, ça se barre un peu en cacahuète. Il faut vraiment gérer. Il faut vraiment gérer le truc, quoi, tout simplement. Donc bien évidemment, hein, je vais pas vous embêter trop longtemps avec ça. Donc comme je vous l'ai dit, après nous irons chercher les cochons. Ils doivent bien être quelque part. Normalement. Il y a intérêt, surtout. Mais comme vous voyez, hein, ça m'exporte vraiment vers le... vers la gauche à chaque fois. Ce qui est vraiment chiant, c'est ça, là. C'est... J'essaierai de voir pour le prochain épisode, enfin, ou peut-être tout à l'heure, si je peux pas avoir une autre charrue, parce que franchement, c'est un peu pourri. Par contre, je commence à avoir 18h arrivé, on fait cette ligne-là, et puis on va se... quoi. Je suis pas le meilleur fermier, mais bon... C'est mieux que rien. C'est le tracteur qui a fait ce bruit-là. Je supprime ça aussi, là, ça m'énerve. Voilà, c'est en train de le faire. Ah. Magnifique. Donc voilà. Donc vous voyez, j'ai quand même travaillé tout ça la dernière fois. Maintenant. Vous savez ce qu'il nous reste à faire? Chercher les cochons. Bon. Le problème, c'est où est-ce que je n'ai pas cherché? Est-ce qu'on pourrait pas aller chercher vers là où il y a les moutons au pire? Ce vers les vaches, il n'y en a pas. Donc on va aller chercher vers les moutons. Sauf que c'est pas par là. Faudra juste trouver où c'est. Accident. Oh. Wow.
doucement. Où est-ce qu'ils auraient pu mettre les cochons? On va regarder, comme je vous l'ai dit, vers les moutons, on verra bien si on trouve ça. Si on trouve pas, tant pis, mais au moins on aura cherché. Tapis, elle est chiante à manœuvrer la bagnole. Encore accident. Ah, désolé, je regardais juste s'il n'y avait pas le bug de la dernière fois. T'as regardé. Coucou toi. La dernière fois, il y avait un mouton blanc juste ici, là, en train de brouter le tour, en fait, la dernière fois. Donc, je ne sais pas pourquoi ça a fait ça. Alors, attendez, on va chercher ça. Les cochons. Sur les cochons. Les cochons. Il n'y a pas de cochons. Ils sont passés où ces porcs là? Tiens, un mouton. Mais comment t'as fait pour passer par là? Ah oui, d'accord, ouais, je comprends mieux. D'accord, ok, c'est qu'ils ont tous 7 hectares à faire. Ce qui veut dire que j'aurais pu. J'aurais pu leur mettre ça là en fait aussi. Oh là là, fallait le savoir ça, je vous le dis. Ils ont de l'herbe après tout, hein. Merde. Ça c'est pourquoi. Si je le savais. Bon bah je ne trouve pas les cochons. Alors, où est-ce qu'ils peuvent être? Moi, par là où il y a les vaches, je vois pas. On peut essayer là où il y a l'essence, là-bas, au pire, après la ville. Allez, on va essayer ça. Tu peux me redire ce que tu as marqué là? Ravitaillé. Ah oui, d'accord. J'ai pas vu. Allez, c'est parti. Direction. Direction après le centre-ville. On va voir ce qu'on va trouver de beau. Oh. Il faut bien trouver les cochons quelque part quand même. C'est pas possible. Je sais, je roule vite, je sais, on s'en fout. C'est pareil parce que les cochons à farger nourrissent aussi. Donc là on va arriver au magasin, après centre-ville. Et c'est encore après. Voyons voir ça. Surprise or not surprise. Nous verrons bien.
Là, retourne arrière. Quoi que tu attends. Faut passer par là. Merde, pas ça que je vais faire. C'est impressionnant quand même, putain, ça peut être où ces putains de cochons de merde? On va regarder là-bas peut-être? Il y a un truc qui a l'air de s'ouvrir là. Non. Ah, regardez où ils sont. Ah, les cochons. En fait, c'est que je suis pas... Ah, attendez. Ce que j'ai vu la dernière fois que ça. Que plus je sauvegarde, moins il y a de prise. Bon bah enfin je viens de les nourrir. En même temps je sais pas pourquoi je l'ouvre. Je passe à travers. Ah non, alors attends. Enfin je passe par là pour les nourrir alors. Ok, tu vois la porte a l'air d'être automatique. Donc bah du coup j'ai trouvé où sont les cochons, ça y est. Enfin, je passe par l'autre côté, ok. Ok, ok. Attends. Il n'y a pas une route là? Non? Elle est puissante la barrière, dis donc. Bon, vous savez ce qu'on va faire? Bon, on va nourrir ces putains de cochons. Auxquels j'en ai chié à trouver. Allez. Par contre, est-ce que je vais pouvoir re-récupérer l'herbe? That is the question. Vais-je pouvoir récupérer l'herbe? Vous allez me dire, mais t'as vu l'air, on s'en fout. Agriculteur mobile. Ça veut dire quoi? Je bouge beaucoup, c'est ça? Ça te dérange? Alors attends. On va reprendre ce tracteur là. La question c'est est-ce que je vais pouvoir récupérer l'herbe. Merde. Attends. On va voir ça. Hein.
Est-ce que l'herbe est récupérable? Si oui, j'ai un coup de bol. Je crois que j'ai rien récupéré du tout. Non, j'ai rien récupéré. Hein. Décharger, baisser. Mais quoi, je récupère ça alors? On va essayer avec la remorque carrément, peut-être. Faut espérer que ce soit ça. Attendez, je vais prendre l'eau, je vais moins galérer. Elle a des spasmes. Oh my god! Alors si c'est pas ça non plus, je ne verrai pas avec quoi je pourrais faire ça. Donc comme d'hab, hein, une petite demi-heure de vidéo, ça fera très bien l'affaire. Non, il n'y a que décharger. Attendez. Je ne sais pas du tout. C'est quoi ça? D'accord, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Non, ça, on s'en fout aussi. Rien ce qu'il me faut. Ah, oh, c'est hallucinant. Ben, je ne sais pas, alors, du coup. Parce que sinon, ce que je propose, cela je ne vois pas.
Non, c'est autre sens, encore, encore, voilà. Bon. Sinon, il ne reste plus qu'une solution. Hein. C'est pas ça que je voulais. Ok, je vois. Et là, je n'aurai pas le choix. Il me faudrait ce champ-là. Mais where... Merde. Where is the panneau? Bah, je ne sais pas où est le panneau. Oh putain, il y a de la flotte. Si je vais pas le faire moi-même, ça va être chaud. Bon, bah les amis, on va se laisser là pour aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle aventure. Et je vous dis, restez chaud patate. Bye bye.